Les conquêtes rapides des frères Barberousse ne purent résister, malgré l'aide fournie par le sultan turc, à la montée en puissance de Hamedoul Kadhi. Celui-ci, outré par les dépassements des frères corsaires, profita de la mort de Harouj pour s'allier au sultan de Tunis contre Kher ed-Din Barberousse. Vers 1515 ou 1516, Abou Bakr, sultan de Constantine, fils du sultan de Tunis et oncle d'El Abbès, roi des Zayt Abbès, assiégea Béjaïa, alors occupée par les Espagnols. C'est alors que le sultan de Tunis, qui est son père, envahit son territoire en occupant Annaba et Tébessa. Les Douaouda, tribu arabe de la région des Iban, s'étaient révoltés contre l'autorité de Abou Bakr. Au même moment, El Abbès était sorti de la Kala et avait réussi à attirer à sa cause les populations de Bouira et de Msila. On peut supposer que c'est El Abbès qui a demandé l'appui de son grand-père, le sultan de Tunis, et qui a incité les Douaouda à la révolte, pour venger la mort de son père tué par Abou Bakr. Ou alors est-ce l'œuvre du sultan de Tunis qui voulait punir son fils pour avoir tué son frère? On peut déduire également que pour s'être attiré le soutien des populations de Bouira et Msila, et éventuellement aussi des Douaouda, El Abbès paraît être reconnu comme l'héritier légitime du trône de son père. Tirant profit d'une situation qui paraît à son avantage, El Abbès s'emploiera à étendre son influence sur les bords de la Soumam. Son oncle, Abou Bakr, lui livra un combat acharné et massacra tous ceux qui voulurent lui résister. El Abbès et son ministre Ben Nasser dirigèrent leur pas vers les montagnes du Durdura, pays des Ouawa, où ils comptaient trouver refuge. Mais à ce moment-là tous les passages étaient bloqués par les neiges tombées en abondance cette année-là. L'émir El Abbès a dû rebrousser chemin après avoir laissé son cheval englouti dans la neige. Il fut arrêté par les troupes de Abou Bakr qui le conduisirent à leur chef. Abou Bakr laissa la vie sauve à El Abbès en échange de sa soumission. Ceci se produit en 1517. Le ministre d'El Abbès, Ben Nasser, et son bras droit, Mohamed Ben Ahmed Aznati, n'eurent pas cette faveur. Ils furent conduits étroitement attachés sur deux mules noires. Abou Bakr les fit fouetter et battre de vergers jusqu'au moment où leur chair se détacha en lambeaux. El-Mérini rapporte que l'un d'eux fit découvrir à Abou Bakr la cache du trésor royal du sultan Abdelaziz, père d'El Abbès. Ceci n'empêchera pas Abou Bakr de faire mourir les deux adjoints d'El Abbès qui succombèrent au coup de bâton. L'histoire de Abou Bakr s'achève en novembre 1517 lorsqu'il retourna triomphalement à Constantine. Après cette date, l'histoire perd sa trace. Il fut sans doute tué ou exilé après une révolte à Constantine, car nous savons qu'avant 1520, Constantine formait une république indépendante. On est en droit de se demander si ce n'est pas pour venger ses adjoints qu'El Abbès s'alliera au Barberousse Kher ed-Din. On se souvient qu'en cette année 1520, Kher ed-Din Barberousse, vaincu par Hamedoul Kadhi au cours de la bataille des Isères, ne dut son salut qu'à la fuite avec les débris de son armée, sur Gigel. Il recevra un accueil chaleureux par une population affligée, en proie à la famine. Cette situation amena Kher ed-Din à se tourner vers la piraterie pour se procurer les moyens de soulager le peuple. À son retour, il rentra dans le port en y apportant de l'abondance. Il fit distribuer le blé de ses prises aux habitants. Kher ed-Din prendra possession de Kolo en 1520, de Constantine en 1521 et de Annaba l'année d'après. Ces conquêtes ne semblent avoir donné lieu à aucune résistance de la part des habitants. En proie à la famine qui sévissait alors, les villes conquises l'ont accueilli en tant que sauveur, après la réputation qu'il s'était forgée à Gigel. En 1520, El Abbès s'allie à Kher ed-Din. On peut supposer que c'est après cette alliance qu'El Abbès put se débarrasser de son oncle Abou Bakr. Mais les sources ne nous renseignent pas sur ce sujet. Pendant 5 ans, de 1520 à 1525, Hamedoul Kadhi va régner sur Alger, tandis que Kher ed-Din refait ses forces à Gigel. En 1525, Kher ed-Din débarque dans la région de Délès, remonte la vallée du Sebaou, puis sort victorieux à la bataille de Bougdoura contre les Kabyles de Koukou. Hamedoul Kadhi court à sa rencontre, mais les exactions commises par Oul Kadhi à Alger lui ont créé de nombreux ennemis au sein même de son parti. Tandis que les troupes s'apprêtent à s'affronter au col des Zayt Aïcha, l'actuel Ténia, Oul Kadhi est assassiné par ses troupes, et sa tête est remise à Barberousse.
Vaincus, les Kabyles cèdent Alger aux Turcs, sans pour autant se soumettre à leur autorité. El Hosn Ul Kadi succède à son frère à la tête du royaume de Koukou. Il combattra Kher ed-Din pendant 2 ans avant de s'avouer vaincu. Il paya un tribut à Kher ed-Din, puis Kher ed-Din retourna à Alger en laissant le royaume de Koukou indépendant. Il prend Ténès et Cherchel, qui avaient fait cause commune avec Ul Kadi, et châtie cruellement les chefs qui s'étaient rebellés. Il soumet également Mostaganem. En vertu de l'alliance conclue en 1520 entre El Abbès et Kher ed-Din, les Aït Abbès participèrent aux côtés de Barberousse à toutes ces guerres, et contribuèrent ainsi à la fondation du royaume d'Alger. N'est-ce pas d'ailleurs en raison de cette participation que les Aït Abbès dénieront au pouvoir ottoman toute suprématie et refuseront durant toute leur histoire de se soumettre aux Turcs? Le vendredi 27 mai de l'an 1529, Kher ed-Din prit possession du fameux Pénon, après avoir fait subir à la garnison espagnole un cinglant revers. Quelque temps après cet exploit, soit en septembre 1529, Kher ed-Din conclut un traité de paix avec les royaumes kabyles de Koukou et des Aït Abbès. Il s'agit pour les Aït Abbès d'une officialisation de l'alliance d'El Abbès avec Kher ed-Din, qui date de 1520, et pour Koukou d'un pacte de non-agression. Bien que les documents ne nous renseignent que peu sur la nature des relations entre El Abbès et Kher ed-Din, on est au moins sûr d'une chose. C'est que pendant toute la période qui va de 1520 à 1551, période qui sépare le retour de Kher ed-Din sur Gigel, à sa mort, les relations des Aït Abbès avec le pouvoir ottoman ne connaîtront aucune hostilité. En 1534, Kher ed-Din quittera Alger pour Istanbul, où il venait d'être nommé grand amiral de la flotte ottomane. Durant la période qui va de 1535, date à laquelle Kher ed-Din quittera Alger pour Istanbul, à celle qui verra l'arrivée, en 1552, de Salah Raïs, les relations des Aït Abbès avec le nouveau pouvoir central semblent être celles d'une coopération normalisée. Aucune hostilité nette à signaler. En 1541, Charles Quint, roi d'Espagne, entreprend la plus importante expédition jamais dirigée contre Alger. Hassan Ara, alors chef d'Alger, réussit à contrer l'attaque. La déroute de l'expédition espagnole sera totale et le roi sera forcé à une humiliante retraite. Bien que les sources n'en disent rien, les Aït Abbès ont sans doute dû participer à la défense d'Alger, en vertu du traité de 1529. El Hosn Ul Kadi, roi de Koukou, paraît avoir accédé à l'offre de Charles Quint pour conjuguer leur effort en vue de chasser les Turcs d'Alger. Il descendit de sa montagne avec 2000 fantassins et de nombreux cavaliers pour épauler les Espagnols, mais apprend en cours de route la défaite des chrétiens, et retourne à Koukou. En représailles, Hassan Ara laissa passer l'hiver qui fut très pluvieux, et partit d'Alger la fin d'avril 1542 contre Koukou. Le roi de Koukou, se voyant inférieur en force, n'osa pas accepter le combat et fit sa soumission. Il donna une grosse somme d'argent et une grande quantité de bœufs, de chameaux et de moutons. Il s'engagea à payer un tribut annuel, ce que ni lui, ni ses prédécesseurs n'avaient jamais voulu faire, et donna en otage son fils et héritier âgé de 15 ans, nommé Si Ahmed Ul Kadi, en sorte que Hassan revint sur Alger sans avoir combattu et sans annexer le royaume de Koukou à celui d'Alger. On notera que tout autant le royaume de Koukou que celui des Aït Abbès étaient en réalité des confédérations de tribus qui s'autogouvernaient indépendamment du nouveau pouvoir central installé à Alger. Comme en outre ces deux confédérations trouvèrent chacune dans un personnage charismatique le facteur de leur union et de leur organisation, après que la prise de Béjaïa par les Espagnols mit fin au règne du dernier sultan Hafsid du royaume de Béjaïa. Ces personnages fédérateurs furent Ahmed Ul Kadi et El Abbès. Le prestige de leurs rangs respectifs, le premier, descendant d'une illustre famille de Kadi qui exerça auprès des rois de Béjaïa, et le second, El Abbès, en tant que fils du dernier sultan de Béjaïa, à quoi s'alliait leur connaissance de la gestion des affaires publiques, pure sans doute, pour beaucoup dans la fondation des deux royaumes. Dans le cas de la Kala des Aït Abbès, on remarquera que pour autant que son rayonnement lui valut d'apparaître comme un royaume, seul Abdelaziz, le fils d'El Abbès, prendra le titre de sultan. Alors que ni El Abbès, qui fut le véritable fondateur de la Kala,
ni les souverains qui viendront après, n'auront droit à ce titre. Amédamocrane, qui succédera à la mort de son frère, le prestigieux sultan Abdelaziz, et qui mènera l'extension des Aït Abbès à leur apogée, n'aura droit qu'au titre de Amocrane. Ainsi, 50 ans après la chute de Béjaïa, il paraît bien que les coutumes berbères aient supplanté les attributs de la royauté. Dans le royaume des Aït Abbès, le pouvoir revient en réalité aux assemblées de villages et aux marabouts. La Djama gère les affaires courantes des montagnards. Les marabouts font office de chefs spirituels, d'ambassadeurs, d'émissaires et d'arbitres lors des conflits. Dans ce royaume qui n'est pas tout à fait un royaume, les Mokrani, qui sont perçus comme étant la famille royale des Aït Abbès, ne sont en réalité que des chefs de guerre. En 1544, Hassan Pacha, le fils de Kher Eddin, arrive à Alger en qualité de calife, l'équivalent de gouverneur. On raconte qu'il est issu d'une mère algérienne. Pas plus que son prédécesseur, les chroniqueurs de l'époque ne rapportent aucun événement qui aurait affecté les relations entre les Aït Abbès et Hassan Pacha. Les termes du traité de 1529 semblent avoir instauré un équilibre qui contribua à la normalisation des relations. Sans que nous connaissions la date de la mort d'El Abbès, c'est sous le règne de Hassan Pacha qu'apparaît au devant de la scène son fils, le fameux sultan Abdelaziz. Une chose est sûre, El Abbès est mort de cause naturelle. Un différend éclate entre Hassan Pacha et Oulkadi. Le Pacha s'allia alors avec Abdelaziz pour battre le roi de Koukou. On rapporte que Hassan Pacha épousa la fille de Abdelaziz sans que l'on puisse vérifier cette information. De cette date naîtra une haine mortelle entre les deux royaumes kabyles, qui donnera lieu à des affrontements souvent meurtriers entre des frères de la même communauté. La rivalité des deux chefs kabyles obligera l'un et l'autre à se fortifier dans ses positions, à se combattre et à épuiser leurs forces, pendant que d'un côté les Espagnols occupaient Béjaïa, et de l'autre, le Turc étendait et consolidait ses positions dans le pays. La politique turque ne se départira pas de cette méthode, divisée pour régner, jusqu'en 1830. Peu de temps après la campagne contre Koukou, les Espagnols attaquent Tlemcen et y massacrent une partie de la population. Hassan Pacha lève une armée de 3000 Turcs et 2000 cavaliers berbères et prit la route de Tlemcen. Le sultan Abdelaziz l'accompagna avec 2000 cavaliers des Aït Abbès. Le cheikh de Ténès, Hamid El Abdi, les rejoindra à la tête de 1000 autres cavaliers. Mais en cours de route, la nouvelle arriva que Kher Eddin, le père de Hassan Pacha, venait de mourir, et le Pacha dut faire demi-tour. Mais son brusque retour sur Alger fit penser aux habitants de Tlemcen, qui lui firent appel qu'il s'agissait d'une fuite. Craignant les représailles des Espagnols, les Tlemceniens firent appel au sultan de Fès, le shérif El Mahdi, pour assurer leur protection. Hassan Pacha, apprenant que Tlemcen fut conquise par le sultan de Fès, décida sur le champ de réagir. Il leva une importante armée composée de 5000 Turcs. À côté marchera le sultan Abdelaziz des Aït Abbès, à la tête de 1000 cavaliers et 8000 soldats berbères. Cette expédition qui eut lieu en 1552, conclura par une brillante victoire, qui marquera la fin de la dynastie zianide de Tlemcen, et la fusion définitive de ces territoires aux possessions de l'État d'Alger. Au retour de cette expédition, le sultan Abdelaziz engagea 200 cavaliers parmi la puissante tribu des Beni Hachem pour sa garde personnelle. Il les installa dans la Médjana, les dota d'habitations et de terres, et s'en servit comme fer de lance de toutes ses expéditions. Leur fidélité ne se départira jamais, même quand la famille Mokrani ne devint que l'ombre d'elle-même. Par ailleurs, cette expédition verra naître une singulière rivalité entre un certain Hassan Corso, qui est un renégat corse, et lieutenant de Hassan Pacha, avec le sultan Abdelaziz. C'est ainsi qu'avant la bataille de Tlemcen, comme Hassan Corso refusait d'engager le combat, Abdelaziz lui tint un discours où il lui reprochait d'avoir peur de combattre alors qu'à Alger, il se promenait avec un brocart d'or. Puis voyant qu'il ne pouvait le décider à commencer la lutte, Abdelaziz anime ses braves montagnards et s'élance à leur tête sur les troupes du shérif marocain, qu'il met en pleine déroute. Tumulai Abdelkader, fils du sultan de Fès, de sa propre main, lui coupe la tête et apporte à Alger ce trophée sanglant, qui fut enterré sous la voûte de Babazan.
Hassan Pacha se montra plus jaloux que reconnaissant de cette trop éclatante victoire où les Turcs n'avaient pas joué le premier rôle. Mais il n'eut pas le temps de manifester ses sentiments par des actes, car en septembre 1551, Hassan Pacha fut rappelé à Istanbul. C'est après le départ de Hassan Pacha pour Constantinople qu'un tournant sanglant allait se produire dans les relations entre les Zeyd Abbès et les Turcs. L'alliance des deux puissances allait bientôt se transformer en guerre meurtrière entre les chefs de la Kala et les Pachas d'Alger. Alors viendra l'âge d'or des Zeyd Abbès, qui allait s'illustrer au combat contre les Ottomans pour préserver leur indépendance.